Sabre, et préparez-vous pour la bataille avec Sea of Thieves et notre future mise à jour mensuelle, Ships of Fortune. Les sociétés de tout Sea of Thieves vous invitent à rejoindre leur cause en vous engageant en tant qu'émissaire. Travaillez en leur nom pour débloquer des cosmétiques exclusifs et aidez-les à se développer avec le tout nouveau système de réputation étendue. Vous pouvez rejoindre n'importe laquelle des sociétés existantes, mais aussi la nouvellement installée Société de l'Os de la Faucheuse. Ce sinistre groupuscule connaît bien les mots massacre et carnage, et rien ne leur plaît davantage que de brûler les autres émissaires jusqu'à la moelle. Et dans l'arène, notre mode compétitif explosif, nous avons rectifié le tir afin de concentrer l'action encore davantage. Adieu les anciennes cartes au trésor, vous trouverez à présent un seul coffre, signalé à l'aide d'une balise des loups de mer. Et avec un seul point de vente à disposition, vous devrez batailler dur pour assurer votre victoire. Alors ne perdez pas une minute, car chaque match est à présent réduit de 24 à 15 minutes. Que vous combattiez pour la gloire dans l'arène, ou que vous cherchiez du butin en mode aventure, si vous vous retrouvez du mauvais côté du tromblon, votre équipage disposera à présent d'un bref instant pour vous ramener à la vie, afin de retourner dardard dans la mêlée. Et ce n'est pas tout. Dans le Pirate Emporium, nous avons de drôles de nouvelles attitudes. Un impressionnant navire inspiré par Sabre Wolf et l'arrivée des mignons petits chats. Ces félins tout poilus vous suivront dans toutes vos aventures à travers les mers. Enfin, sauf quand ils font la sieste. De temps en temps. Alors préparez-vous à choisir votre camp dans la prochaine mise à jour de Sea of Thieves, Ships of Fortune. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour toujours être les premiers au courant de l'actualité de Sea of Thieves et des événements de la communauté française. À très bientôt sur les océans. Santé! Allez, salut à tous. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sea of Thieves. Et puis, on va partir tout de suite, du coup, à l'aventure. On va prendre quoi? On va quand même prendre un petit bateau, on sait jamais, si jamais il n'y a personne d'autre avec nous. Et on va... Ouais, on va ouvrir l'équipage, on verra bien. Si jamais il y en a qui veulent venir, comme la dernière fois. Et c'est parti. Déjà un pirate avec nous. Et ben voilà. On arrive toujours à la petite taverne. Et il y a lui là du coup. Est-ce qu'on a des trucs à faire? Ouais, on a plein de quêtes gratuites encore, trop bien. Bon, la dernière fois, on a quand même réussi, enfin, fini par gagner un petit peu d'argent. Donc c'est cool. We are done. Ok. Notre petit bateau, du coup, le voilà. Alors, on dira à chaque fois qu'on prend genre un nouveau bateau. Un bateau de location. Il savait le dernier comme il a fini. Je suis pas sûr qu'il nous louerait comme ça. Mais lui, il a pas de trou dans la coque pour l'instant. Bon alors, on va regarder. Plein de pitoyables. Allez, on va faire Flynn. Et du coup, voter. Ah oui, du coup, on a un comparse qui doit voter aussi alors. Il est où? Allez. Il va nous pimper notre bateau, non?
il nous pime notre bateau. Waouh. Ouais, il a de l'argent, lui. Waouh, ils sont beaux, ces petits canons. Et t'as pas un truc à mettre devant? Moi aussi. Robert? Il nous a pimpé le bateau. Faut se lever l'encre. Donc lui, il a l'argent, en gros, et moi, je fais les basses besognes. Je lève l'anse, tout ça, quoi. Comment par contre? Ah oui, c'est bon. Ouais! Mais alors, tu viens? Viens, l'ami. Allez, viens. Ah bah non. C'est pas possible, il s'est défait tout seul ou c'est lui qui l'a fait? Allez. Mais ça serait cool qu'on parte, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est parti où? Allez, allez. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien qui correspond à ce que je voudrais lui dire, moi. C'est un tout petit peu limité, quand même, comme mode de communication. Je peux lui dire oui, attention, merci, toutes mes excuses, non, mort de rire, bien joué, ouais. C'est bien, mais c'est... moi, ça serait plus... en mode, viens, on part. Bon. Il est là, qu'est-ce qu'il fout? Oh, yes. I have jobs for you. Le marché noir. Watch your back out there. Attends, je peux peut-être lui faire un signe. Il ne regarde pas. Il est sous l'angle, qu'est-ce qu'il fait? On va danser, peut-être qu'il va nous voir. Ah, 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 il part. Ah, ça y est, il est décidé à partir, pardon. Oh mince, je suis tombé à l'eau, moi. Ah bon, il est décidé à partir, moi, qu'est-ce que je fais? Je saute dans l'eau. On va remonter dans le bateau, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous met? Il a toujours pas mis de quête, mais il est où? Allez, active! Oui, c'est bien. Allez, allez. Allez, bouge tes fesses. Dépêche-toi. Mais il est sérieux? Bon bah écoute, on va s'endormir, peut-être qu'il va comprendre. Ici? Ici quoi? Bon, il veut qu'on le suive. Allez! C'est le premier jeu de pirate du coup où on joue à pied. Qu'est-ce qu'il a? J'ai pas compris. Il est là, ok. Ok. Ah d'accord, il nous a mis un pavillon. D'accord. Si tu veux. Tant qu'on part, je vais te dire, vas-y, on fait ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est reparti, vraiment. Mais il va faire que des allers-retours à terre ou quoi? Mais par contre, j'avoue, il est pas mal son truc.
J'aime bien ce skin. Ça va pas trop avec le reste. C'est dommage que le reste du bateau change pas, mais pas trop mal. Bon, notre pirate de terre. Il y a tout ce qu'elle a avant. Au pire, pour l'instant, on va regarder ça. Hein. Alliance des marchands, matelots marchands donne accès au voyage de matelots marchands. Pour 100, ça va, on peut le faire ça. Sail back later. Ok, et toi du coup, c'était quoi? Oui, c'est lui qui vend... Stand a bit closer, would you? Ouais, c'est ça. Ouais, il vend tous les trucs de bateau, ok. Après, c'est un peu cher, il n'en a pas l'argent pour. Alors, on est de retour? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, ben voilà. Il faut que je vote pour son voyage. Allez, on est bon. C'est bien. Si c'était payant, en tout cas, c'est pas moi qui ai payé, donc ça me va. Allez, on y va. On descend les voiles et on se barre de là. Sur Sunky Groove, au-dessus des mers, vous trouverez une récompense numéraire. Sur Sunky Groove, alors, au-dessus des mers. Sunky Groove, Sunky Groove, Sunky Groove. On va réussir à trouver ce truc. Sunky Groove. Vas-y, je... Ah, il veut le faire lui-même. Ah, oh, bah d'accord, si tu veux, vas-y. Et pourquoi il a fait encore descendre ce truc? C'est possible. Allons à l'ouest. Bon, bah oui, bah... En même temps, il n'arrête pas de rejeter l'encre, lui. Pratique, mais à un moment donné, avec l'encre, on n'avance pas, hein. Cap plein ouest. Ah oui, mais c'est au nord, c'est légèrement au nord en fait. Et moi aussi je suis joué de l'instrument de musique. Hein. Oh, c'est marrant. Il y a des petits effets d'artifice. Tadam, 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 tadatatatam. Tam, tadam, 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 tadam. On est bientôt arrivé sur l'île. Oh, il a une petite guitare. Elle est marrante, cette guitare. Quoi de mieux pour passer un petit samedi soir, hein? Une petite musique sympa. Sur un bateau qui tangue au milieu de la mer, franchement. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que les feux d'artifice, ça pue. Je suis sûr qu'aller vers des feux d'artifice c'est un bon plan, mais bon. Il a l'air d'être beaucoup plus expérimenté que moi, hein, donc on va le laisser. Ah non, en fait, c'est beaucoup plus loin, les feux d'artifice, ok. Mais par contre, je crois qu'on devrait s'arrêter là, non?
Ouais. Un petit boulet de canon. Allez. Attends. Non mais c'est bien un squelette en fait. J'avais pas vu. Avec un petit cochon derrière. Oh merde. Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. C'est encore un baril de poudre. Pourquoi j'ai tapé sur le baril de poudre? Bon, logiquement, vu que l'autre va pas mourir, hein, vu qu'il y avait qu'un seul baril de poudre en même temps, ça devrait s'ouvrir, du coup. S'ouvrir ici à cause d'autres pirates ou fatigue. Vous retrouvez ici à cause d'autres pirates ou fatigue. Tout va bien. Je sais pas. Non, j'ai pas envie de s'aborder mon navire, il a l'air bien. Il est sympa, il l'a pimpé et tout. Et voilà. Voilà. On est tout bon. Allez, une fois qu'on a fait ça. Tout ça à cause d'un mec qui était plein d'explosifs. Là, il faut que je me souvienne, un baril d'explosifs, il faut que je tire dessus. Si je tape avec mon épée, j'explose avec. Ça marche aussi, mais... Oh oh. D'accord, maintenant je me suis fait attaquer par un serpent, carrément. Mais tout m'en veut dans ce monde, c'est pas possible. Il est encore... C'est pas possible, mais pourquoi lui, il a pas tous ces squelettes, là? Pourquoi il n'attaque que moi, là? En mode il s'attaque au plus faible. Oh là 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 là. Oui, on va se barrer. Faut se barrer. Bon, la bonne nouvelle, on n'est pas mort. La mauvaise, on est en feu. Waouh, je sais même pas comment on n'est pas mort. Ah mais en même temps, ils m'attaquent tous avec des barils de poudre à un moment. Je veux bien, mais je peux pas survivre à tout moi. Trois fruits. Allez, on mange une note. Il mange une noix de coco, excellent lui. Ok. Sympa. Voilà. Bon, on va retrouver notre vie. Une banane par là. Rien par là. Un baril de poudre encore. Par contre, comment on remonte du coup? Parce que là, mon compas, il est pas du tout là. Je fais l'énigme alors? Ah. Ok, bon, bah apparemment, il a trouvé ça. Et moi, il y en a une autre que j'ai libérée. Hors découvert. Bon, bah c'est pas moi mais non il est très fort celui qui est avec nous, c'est cool. Je suis pas sûr qu'il va rester longtemps du coup. Donc profitons-en. Tac. Je sais pas quoi faire là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon y'a rien, hein. Tout est cassé là. Et comment par contre je ressors d'ici? C'est bien gentil, c'est assez beau hein, faut dire. Hein. C'est vraiment propre, mais je suis enfermé. Alors lui, il trouve des trésors et moi, je cherche à sortir. Là-dedans? Non. Mais sérieux, comment je remonte? Ah, c'est par là à gauche. Est obtenu. Okay. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh. Il tire pour m'appeler en fait. En mode, qu'est-ce que tu fous au fond du trou? Et il est où le bateau? Je creuse. Il creuse. Moi, je vois que des petits cochons. Et lui il creuse.
Bah écoute, heureusement qu'il y en a un de nous deux qui creuse. C'est beau là. Un serpent bleu, j'avoue qu'il fait chier des cheveux. Oh, c'est quoi? Ramasser du morceau de serpent? Non, non, c'est bon, merci. Un petit cochon. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un coffre. Coffre au trésor. Alors, je veux bien, mais il est où notre bateau? Non, par contre, c'est bien drôle, mais il est vraiment où notre bateau? Ah, il est là-haut. Et pourquoi j'ai un coffre ici, moi, là? Faut que je ramène le bateau? Allez. Allez, on va faire au moins une action, il sera content de nous, l'autre. Mort de rire? Mais j'arrive, j'ai trouvé un coffre. Je vais essayer de m'ouvrir avec un truc. Ah, mais il me tire dessus, en fait. C'est vrai que ça doit être chelou de voir ce que je fais, l'action que je fais. En mode un pirate qui a son petit coffre et qui... Ah bah il a pris le coffre. Ouais, quand je dis qu'il est fort, il est fort. Hein. Je crois que je le retarde légèrement. Mais bon. Ah, il a failli me tirer avec un grappin. Mais non, regarde, c'est bon, je suis à bord. Et il est où par contre? Il est gentil, mais il est plus là en fait. Ah si, il est là. Ok, il cherche la suite. Bah dis-nous où on va, hein, parce que moi je sais pas. Allons au sud, bon, parfait. Mais voilà, on est parti. La 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 la. Allez. Ah, il a le pied marin, mon petit pirate. Hein. La 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 la. Salut Johnny. J'étais un peu pris dedans, j'ai pas dû voir son message. Ah non, tu viens de l'envoyer, parfait. Comment ça va, Yumi? Mais ça va très bien, ouais.
On tourne. Ouais, n'hésite pas, ouais. Il est très sympa ce jeu. Enfin, j'aime bien, il est relaxant. Quoi. Promis, je joue de la musique pour te faire un petit peu de son sympa. Par contre, il y a un bateau là, mais... Il a pas peur du bateau, mon collègue pirate ? Occupez-vous des canons. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un boulet si tu veux. Je vais faire quoi avec les canons ? Charger ? Ouais ! Je suis prêt, oui, je suis prêt. Ouais, je pense qu'on va défoncer le bateau en fait. Je peux pas tirer, je peux pas tirer. Mais par contre, ouais, mais s'il va vraiment tout près du bateau, moi je tire. Ah, parce qu'il se dit que je suis peut-être pas très doué, et donc il se dit que... Mais pourquoi il a pas tiré? Mais je me disais bien que tu étais en train de réparer le bateau en fait. Oh, il dit bateau. Bon, j'ai pas réussi à tirer. Hein. Ah bah c'est bien. Hein. On est complémentaires, il met le bois, j'enlève l'eau. Ah, il n'y a plus d'eau. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire sur ce style? On va en plein milieu, c'est ça? Allez, bien joué. Ah, j'ai rien fait par contre. On va quand même lui dire merci, attends. On va dire... On va lui dire... Mort de rire. Parce que honnêtement, moi, bien joué, j'ai rien fait. Hein. Bon alors apparemment, c'est au milieu de l'île. On devrait trouver. Logiquement, ouais. Allez, je prends le trésor. C'est assez fou qu'il ait confiance en moi quand même pour prendre le trésor.
peut-être eu raison de ne pas avoir confiance. Allez, on va poser ça par là-bas. Ça. Voilà. Alors moi, je pose tout sur la cuisinière. Ouais, ma stratégie. Du coup, on en est où? Il reste tout ce truc-là. Le coffre se trouve près de l'arbre mort, tout en bas du pont, mais point de hâte, creusé à 9 pas au sud, vers l'or miroité. Ah, par contre, oui, il y a plein de méchants. Ah, il y en a un qui avait... Ah mince, je l'ai loupé. Bah voilà. C'est ce genre de petit truc là qui m'a fait exploser tout à l'heure. Il a trouvé le trésor. Ah bah super, il a trouvé le trésor. Enfin. Allez, viens, on y va. C'est quoi ici? Ouais, donc faut aller au nord, on est d'accord. Ouais, on est reparti. Allez, on va jouer un petit peu de musique, ça va détendre tout le monde, regarde. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on lui donne un coup de main, on est gentil, non?
Ah, y a un truc là. Ah, y a un truc qui brille. Mais je savais pas qu'on pouvait aller en pleine mer comme ça. Oula. Par contre, c'est vraiment profond. Ah, mais il y a des crânes en pleine mer en fait. Oh. Ah, mais c'est trop bien. Les crânes, ça rapporte bien en plus. Après, ils sont pas ouf ceux-là. Je crois qu'on avait eu des bien meilleurs la dernière fois, mais. Un petit coffre. Et il est où? Ah, il essaie de choper des trucs encore. Oh, il faut faire ça en fait. Ah, j'avais pas compris. On va poser nos boulets de canon. Logiquement. Mais non, mais non. Voilà, 7 boulets de canon de plus. Honnêtement, je sais pas. Enfin, on va dire entre nous, je sais pas du tout à quoi ça sert. On est plein de canons, mais plein de bois, mais bon. On y va du coup, c'est bon? C'est quoi qu'il a récupéré? Coffre de sucre raffiné. Hein? Ah, il faut que j'accepte ça, excuse-moi. Ah non, attends. Ah. Oh. Bon, allez. On a obtenu des quêtes. Mais il a l'air vraiment bien lui, c'est cool. Honnêtement, je pense que je le ralentis. Mais je sais pas du coup pourquoi est-ce que est-ce qu'il me garde avec lui. Putain, en 2-2, il est en train de tout mettre sur la carte quoi. Il est ouf. Trop bien. Moi j'ai essayé de manger une banane. Ouais, c'est un peu comme un boulot, une fatigue, tu vois. C'est trop de trucs rapidement, hein. Du coup, je regarde. Après, moi, je peux au pire... attends, je peux danser, moi, au pire, à côté. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la musique. J'ai l'air de bien se débrouiller. Ta 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 ta. Allez. Il est où? Il a disparu du bateau? Ah, il était dans la cale. Par contre, ouais, non, je sais pas. Il fait quoi? Il s'endort? Ta 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 ta. Da-da-da-da-da-da-da.
Mais alors, pour, attends, par contre, il y a peut-être un moyen vraiment d'écrire, mais je ne sais pas écrire. Si quelqu'un sait par contre comment on écrit, mais lui il a l'air de réussir. C'est dommage, il est super sympa, mais je sais pas comment on lui écrit. Ah non, mais en fait je crois vraiment qu'il est la même chose que nous. Ok. Ah oui, excuse-moi. Tu veux un coup de main? Par contre, on va où, Coco? Tu m'as pas dit où on allait. Non, rassure-moi, il est pas parti. Il nous a pas abandonné, il a pas fait ça. Ah si, il nous a abandonné. Ah oui, mais on va où? Il avait tout regardé. Là, il est gentil, il nous a largué là quoi. Bon bah il était gentil, c'est pas grave. Alors, on va où? On va nord-est? Nord-est, allez. Bon, on est bien en direction du nord-est. Hein. Par contre on va juste ici la vallée du coup. C'est trop triste, il nous a abandonné. Ah, c'est pirate, hein. Faut vraiment pas leur faire confiance. Bon, et ben on va continuer tout seul, c'est pas grave. Allez. C'est un peu une chanson qui fait pleurer. Par contre, là, je vois un bateau, je crois. Ce serait quand même con de se faire abattre juste à côté. Oui, c'est sûr, mais il y a un bateau. On va pas aller là, du coup. Je sens qu'on va se faire défoncer, sinon. Alors, attendez voir. Je mets trop de ronds sur la carte. Ah ouais, j'avais quelqu'un qui était trop fort, qui était trop bien, et qu'est-ce qu'il fait? Il m'abandonne. Avant-poste, on peut essayer d'aller là, sinon. En vrai. Donc, au lieu d'aller là, faut aller à tout prix vers l'ouest, hein. Où est-ce que tu te... Allez, go vers l'ouest. Tout, 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 tout. Elle reste dans la tête, cette chanson. Je crois que c'est par là. Hein. Encore un peu à l'autre. Non, parce que ça serait dommage de se faire tout piller, quoi. On n'a personne qui nous suit par hasard. Parce que si en plus on a quelqu'un qui nous suivait. Non. Ça, c'est ok. Hein. C'est là-haut. C'est pas un bateau, ça, non. Ça, ça ressemble à des bateaux, même. C'est des arbres. Et là, du coup, on va où? Oh merde, on y va. Pas du tout par là. Plusieurs morts, maintenant. C'est parti. C'est pas encore mon truc, hein.
Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que là, en ce moment, il n'y a pas de bateau dans le coin. Ah, faut remonter un peu vers le nord maintenant. C'est droit devant là. C'est ce truc là, mais c'est marrant parce que ça a pas l'air accueillant pour un avant-poste. Je crois que mon bonhomme il a le pied marin, mais alors moi pas du tout. Je le regarde dans ma longue vue, je vois que dalle. Je crois qu'il n'y a pas de bateau pour l'instant. J'espère. Mais pourquoi mon bateau il tourne tout seul? Un bateau hanté en fait. En force de tuer des pirates. Mais il me fait plutôt flipper cet avant-poste en fait, hein. Pourquoi il est rouge? Ah attends, faut... Oui, je me souviens que la dernière fois on avait dit, faut rabattre les voiles en partie. C'est marrant, j'en étais sûr. On allait taper. En vrai, on a tapé, mais je vois pas de fuite d'eau. Est-ce que c'est bien un avant-poste du coup en mode je peux vendre des trucs ou pas? Je pense que oui quand même. On va déjà prendre un premier truc. Souvent ce qui coûte cher là c'est les trucs qu'on a mis dans le coffre là. D'ailleurs, ça brille de fou cette émeraude là. Ouais, si, c'est bien un avant-poste normal en fait. Donc on est pas mal. Faudrait que j'aille vendre ce truc là. Et logiquement, c'est un mec dans une tente. Hein. Je sais plus où il est. Ah, il est là. Ouais, j'ai trouvé un avant-poste libre. Trop cool. Vendre. 2000. Wouhou! Non, c'est trop bien. En vrai. Promotion obtenue. Voilà. Ouais, on est bien chasseur d'or. Ouais, on peut le prendre. Ouais, on peut le prendre lui en entier. Ah mais trop bien. En fait, j'allais chercher les trucs qui sont dedans. Mais... On peut peut-être tout vendre d'un coup. En tout cas, il nous a bien aidé finalement parce qu'il a pris. Il a été chercher plein de trucs et il nous a laissé dans le bateau. Il s'est peut-être dit qu'on n'allait pas survivre aussi. Hein. Je peux pas forcément lui donner tort. Mais mine de rien, je m'en suis sorti. Hein. Ah, par contre, lui, il achète pas ça apparemment. Et par contre, peut-être qu'après... Ouais, c'est ça, je crois, en fait. Tu peux lui vendre direct... non, je vais pas te parler. Je vais lui vendre ça. Ouais, en fait, c'est ça. Ok, mais oui, c'est tout bête, en fait. Mais si jamais Timmy revient, il faudra qu'on lui dise. Les coffres vides, ils servent à ça. Bon, on a vendu deux trucs. Ah, j'ai pas regardé combien ça nous a rapporté. Oula, 1200 je vois, et combien? Et 200, bon. 1400, c'est bien. C'est-à-dire que moi j'ai pris le truc au couchage. Allez, on va prendre ça avec... faut qu'on amène ça là-bas, hop là. Voilà, c'est bon. On va faire des allers-retours. Hein.
Ouais, c'est dommage que notre petit pirate puisse pas porter genre deux caisses d'un coup, quoi. Ah, ça, il faut qu'on le vende à la dame, d'ailleurs. Je sais pas où elle est. On l'avait déjà vu, style, je crois. Et de mémoire, elle est là-haut. Voilà, elle était là, en bas, non? Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, 200, c'est pas le truc du siècle, mais bon. C'est toujours ça, on avance petit à petit. Parce qu'on a quand même des gros coffres qu'il faudrait qu'on retrouve. L'ordre des âmes, on est toujours niveau 12. En vrai, c'est pas mal, je trouve. Ça c'est quoi? Relique dorée? Oh. On va ramener une relique dorée. Par contre, c'est moi ou le bateau il prend l'eau? Ah mince. Donc en fait non, il y avait bel et bien un truc. Palette. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vidéo? Pour être franc, je crois que oui. J'avoue que ça me... C'est pas en mode j'ai envie dans le vélo quoi, mais bon. Là, je crois que on va payer notre boulette. Ah, il y en a un qui a rejoint le capitage, tu vois. Par contre, tu me voles pas mon truc en dehors. Non mais oh. C'est moi qui vais le remettre au petit marchand. C'est un cadeau de... Ah non, j'ai oublié son pseudo. C'est un cadeau de notre ancien coéquipier. Il n'a pas mérité ce petit cadeau. Moi non plus. Mais il me l'a laissé. C'est déjà ça. Bon alors, on y va. On va lui vendre ça. Oh, ça devrait rapporter ça, c'est en or. 632. Bon d'accord. On a quand même eu des trucs parce qu'ils valaient vachement plus cher. Alors ça c'est entièrement recouvert d'or, d'or fin. On va lui envoyer un petit héo. Il faut aller vendre tout ça. Ah non, je vais pas vers ça moi. Il y a quoi dans ce coffre? Ah mais il n'y a rien. Ah là il y a un truc. Relique. Il y a ce coffre aussi à ramener. Mais en fait, il avait pris toutes des reliques et tous des machins en fait. Il s'était pas attardé sur le reste. Et du coup, ouais, on aurait mieux fait. Enfin, on va peut-être mieux faire ça en fait. Ouais, apparemment, il a requitté notre équipage. Mais... C'est triste. Une rue inimitable. Ah, 1300, c'est déjà mieux, tu vois. Quand tu veux. Quand tu veux, tu me donnes un peu plus d'argent, c'est bien. Yes, niveau 15. Ben voilà. La 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 la. Ta-da-da-da-da-da-da. Coffre d'aventurier. Allez, on va ramener ça aussi. Hop là. Oh mince. Ça, j'étais sûr que j'allais la louper au bout d'un moment. Mais au moins, personne n'est venu voler nos trucs de notre bateau. Ça, c'est cool. C'est là qu'on me tue juste devant la tente. Ah, 276 le coffre, ouais. C'était pas lourd. Hein. Allez, on repart dans le bateau et on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, non, parce que notre copain, il avait fait plein, il avait fait des choses bien. Il avait pris des petits coffres, il avait... Trop bien, hein. Vraiment. Donc lui, il est vide.
Lui, il est vide. Une caisse de munitions. Ah, et le sucre. Le sucre, je suis sûr qu'on va pouvoir le vendre. Peut-être au tavernier. Hein. Oh là là, je vole. Voilà, nickel. Peut-être le tavernier du sucre, non? Je sais pas. Enfin, pour faire des cocktails, peut-être. Un petit cocktail. Je vois pas un mec des trésors acheter du sucre. Peut-être, sauf un... Peut-être qu'à l'époque c'était si rare que ça que... Non. Bien ce que je pensais. Donc ça serait au-dessus, je pense. Et je pense que c'est le tavernier, ça. Bon. Je sais pas pourquoi j'aurais besoin de sucre, mais... Tu veux faire une panna cotta des pirates? Non. Non, personne veut de mon sucre, en fait. Personne ne veut de mon sucre. La main, ça, là. Toi non plus, t'en veux pas, hein. Pourquoi ils veulent pas de mon sucre? J'ai du bon sucre raffiné. Toi, t'en veux pas non plus. Et je crois qu'il y avait rien derrière, en mémoire. Il y a personne qui vend des fruits sur cette planète là. Du bio ou des trucs. On va dire que c'est du sucre bio. Il est beau, il est bio. Tu veux de mon sucre? Tu veux pas de mon sucre? Si quelqu'un sait qu'est-ce que je dois faire du sucre, n'hésitez pas. Je sais absolument pas ce que je... Ah, je suis revenu dans la taverne. Peut-être que la dame qui nous achète des crânes, elle va vouloir du sucre. Je sais pas, peut-être qu'elle boit du thé ou un petit truc. Hein. Entre deux crânes, un peu de sucre. Non. C'est bien tenté, hein. Et lui, il a des animaux et tout, tu veux pas du sucre? Mais merde, personne veut du sucre. Est-ce que je vais faire du sucre? Ah, peut-être la dame, peut-être lui là. Non. Et elle. Ah oui, elle veut acheter du sucre, elle. Ben voilà. Mais elle vend quoi, elle, d'habitude? L'alliance des marchands. Ah, hein, ben voilà. Elle va ravitailler des restos ou des pâtisseries. Allure. Ici, du coup, il n'y a plus... Attends, c'est quoi ça? Non, il n'y a rien, c'est le mécanisme. Donc, il n'y a plus rien là, vas-y. Une caisse de munitions. Oh. Non. Il y a quoi ici et là? Mal d'accessoires, mal d'équipement, mal machin, et ça, vêtements. Bon bah écoutez, on peut repartir. Le bateau a un peu des morceaux de bois partout, mais il navigue encore apparemment. On va où? Il nous avait laissé plein de trucs, lui. Enterré sur un pour trouver mon or, faites preuve de sagesse. De Springwick Beach. On est où, nous? Ok. On était là. Springwich. C'est ça, Springwich Bay. Hein. Springwich Bay. Et ben on va aller là. C'est au sud. Et on verra pour le reste plus tard. Alors, ça, ok. On y va où là? De manière globalement. On va remonter ça. Pour l'instant, ça va prendre. Mais il est gentil quand même, avant de se déco, il nous a mis... Il nous a mis toutes les destinations, il s'est dit, ah, il est vraiment mal barré. Je vais l'aider. Je fais toutes les destinations, moi je me casse.
reparti sur le petit ratio. Allure. Ah non, ouais, c'est légèrement quand même à l'ouest. Très léger. Sud, légèrement ouest. Ça devrait être pas mal. Bon, parfait. On peut jouer de la musique. On attend. Ah, c'est marin qui a dû faire quand même. Bon, on est peut-être arrivé quand même, non? On est arrivé, hein. On va baisser un peu, on va remonter un peu les voiles. Parce que... Ah. Par contre, ça sent pas bon si on nous tire dessus déjà maintenant. On tourne. Ah, on se dirait dans World of Warship. Honnêtement, tout seul, on va peut-être pas le tenter. Il y a un mec qui me tire dessus, je suis tout seul. On va voir les autres quêtes, c'est pas grave, on reviendra. Ça c'est quoi? Sun Crew Holo. C'est ça, hein? Non. Crook Mask. Sur Crook Holo, l'or brille. C'est quoi Crook Holo? Crookolo. Ah, il nous a mis des trucs là. Ah, il nous a mis Crookolo, ouais. Ouais, Crookolo, c'est loin quand même. Mais bon, c'est plein dessus, ça sera pas très compliqué. Allez, go. En espérant qu'il n'y ait personne là-bas. Yes, on a quelqu'un qui rejoint notre équipage. Pour combien de secondes, c'est la question. Alors, je sais pas, quand ils arrivent, on les met au courant, du coup... Vous allez jouer, vous allez voir, il est pas fou. Peut-être, hein. Est-ce que c'est pour ça qu'ils partent direct? Ou alors ils ont peur. Ils disent, ouais, il est vraiment trop fort. Ce qui est marrant, c'est que l'île que je vois là, là, je la vois en réel, hein, ben, elle n'est pas sur ma carte. Mmh. Ben voilà, vous voyez, hop, il a quitté l'équipage. On va éviter de s'échouer sur les rochers par contre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Allez, c'est parti. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à piller là-dessus? Je me dis... Ah, c'est peut-être qu'un rocher en fait. C'est juste pour défoncer ton navire et puis basta. Il n'y a pas grand chose. Non, non, c'est juste un rocher en fait. Bon. Et on garde le cap plein sud. Hein. Allez, c'est parti. Ça va être l'île là-haut, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, on est sûrement qu'il n'y a personne. Longue vue, c'est où déjà? C'est ça.
Ça fait penser à un temps de Bretagne quand même. Hein. Là, la longue vue, elle sert pas à grand chose. Hein. Mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir de bateau. Bonne nouvelle. Allez, c'est parti, à l'assaut de l'île. On va peut-être rentrer un petit peu ces voiles-là, hein, quand même. Hein. À chaque fois, on arrive à une vitesse, quand même. Alors, non pas que détruire mon bateau, ça soit pas déjà à peu près le cas. Pas que j'y tiens. Quoi qu'il est quand même beau, hein. Grâce à notre premier compatriote. Il est venu et qui nous a tout bien mis. Mais bon... On a le vent contre nous. Et du coup, on met le temps pour arriver. Mais rien, enfin, je vais le tenir. Ça, c'est vraiment la musique en mode déprime parce qu'on a du mal à arriver. Ils nous avaient encore mis un rocher sur la route, hein, d'ailleurs. Ils nous ont pris pour des apprentis pirates. Ah, l'île déjà, avec tout le petit skin vert comme ça, là, ça a l'air paisible. L'autre, j'avoue, je la sentais pas. Hein. Skin rouge, tout ça, on nous tire dessus. Ça sentait pas le... pas l'ouverture, hein, l'esprit. Bon, on va essayer de faire une belle manœuvre. Qu'est-ce qu'il a fait de terre? Il s'est mis tout proche, tout ça. C'est peut-être un qu'on peut réussir. Regardez tous ces beaux petits poissons. Là, franchement, ça me paraît pas mal. Allez, le temps que l'encre se jette. Voilà. Comment c'est pas beau, ça. Je crois que c'était elle, hein. Ouais, c'est ça, surcoût coloré. Gris en vous décalant une goutte. Ah, cherchez le chemin entre les pinces au sud-ouest où un indus se discerne à celui qui lève sa lanterne. Allure. Du coup, sud-ouest. Petite boussole, tout mignonne. Sud-ouest, par là-bas. Les pinces au sud-ouest. Il y a des crabes? Bon, j'aurais peut-être dû regarder la forme de l'île, peut-être qu'elle ressemble à un crabe. Oh. Bah en fait, il y avait un quai là quand même. Hein. Ouais, moi je me suis mis côté sauvage. C'est un peu comme... Ouais, c'est drôle. Oh là 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 là. Eh ben on est mort. Eh. Ça a duré moins de 30 secondes sur l'île. Je me disais bien que j'entendais un bruit. Mais je crois qu'ils ont une amitié toute particulière pour moi, les squelettes qui portent des... comment ça s'appelle? Des petites bombes. Je sais pas pourquoi ils m'aiment bien. Ils aiment bien être près de moi. Bon alors monsieur, tu nous emmènes où? Ah, je peux lui parler? Oh, c'est bien. Vous avez pas l'air russe. Le bonheur et le privilège des vivants. Mes besoins sont sans importance. Je me contente d'obéir au commandement de mon maître. Ah bah voilà, j'ai ouvert la porte. Allez, go. On revient sur le bateau, logiquement. J'espère. Yeah. Bon, on est revenu au point de départ. Ah, mais là, il y a des pinces. Ce serait ça? Non, c'est pas ça, logiquement. On va voir, au pire.
Même de la lanterne en éclair. En tout cas, c'est... il y a des pinces. Ouais, on est sur la bonne île, c'est sûr. Allez, on va courir un peu, parce que du coup on a perdu une tonne de temps avec ces bêtises. Allez. Enfin, avec ces squelettes explosifs. Et en plus, on est du côté sauvage de l'île. Donc... Non! Oh non, mais c'est pas vrai. C'est sérieux. Je vois un squelette, qu'est-ce que je fais? Je lui tape dessus. Qu'est-ce qui sort de sous le sable? Bah, une bombe. Eh ben, on est reparti pour revoir le monsieur du bateau des âmes perdues, là. Des âmes damnées. J'aime bien, en fait, je crois, le vaisseau des damnés, donc j'y retourne régulièrement, qu'on l'oublie pas, tout ça. Après, j'avoue, j'aimerais bien avoir l'unité de ce bateau. Il doit faire peur aux autres sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit. Yeah! Bon, on est reparti. J'espère qu'on n'a pas un compte de combien de fois on a été voir les damnés, parce que là... Pour une mission extrêmement simple, à mon avis. On est déjà passé le voir deux fois. Enfin, en fait, on n'a même pas commencé vraiment la mission, on est juste arrivé sur l'île. J'ai failli me faire mordre par un serpent. Ça va bien. Oh, il me manque par terre et des bananes. Ben voilà. Ça nous permettra de survivre. Au cas où. Et ça, il y a quoi dans notre petit seau là? Il y a encore de la nourriture. Ah non, par contre, on recommence pas. Hein. Alors, c'est qui lui là? Hello. Wildery, c'est mon nom. Une fois, j'ai avalé un os et je me suis planté dans le palais. Mais je lui ai pardonné. Ah, et puis, j'adore regarder le feu. Il nous raconte sa vie, en fait, le mec. Hein. Désolé, c'est vrai que je suis un peu intense. Plus personne, ok. J'arrête de transmettre des puces à tout le monde. Ah, bah génial. Il est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire cette nuit? Ici, on s'amuse beaucoup. On peut allumer un feu, et après, on peut l'observer. J'ai hâte de rencontrer le prochain feu de camp. On peut aussi collectionner des os, mais il faut surtout pas les manger. Ouais, on va éviter. Je vais pour... Et maintenant, il fait le chien. Waf waf. Et ben voilà, il nous fait le chien maintenant. Et c'est quoi ça? J'ai compris pourquoi on appelait Henri le sauvage. C'est Will Henry. Will Henry. Alors Will, c'est ton prénom. Bon, ok. Est-ce que ça peut péter ça? Et qu'est-ce que ça peut nous faire si ça peut... Rien. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Ah, mais là, il y a une grotte. Qu'est-ce que c'est cette grotte? Il y a toujours de la nourriture partout. Ah, par contre, il faudrait peut-être qu'on... En fait, j'avais pas vu, mais... Alors, j'ai pété le truc, j'étais peut-être un peu trop près encore. Mais ça tombe bien, puisqu'il y a de la nourriture partout. Allez. On est full life. Allure. Qu'est-ce qu'on fout là? On s'enfonce dans la grotte. Toujours des fruits. Ah là, il y a un serpent. Voilà. Il est mort. Et de l'autre côté? Ah! Il y en a un qui rejoint l'équipage. Allez, on va dire, lui, il va passer moins de 2 minutes. Oh, des petits champignons sauvages. Je peux les récolter? Non. Alors, c'est quoi ça? Mais le coup de la lanterne, par contre, j'ai pas encore compris ce qu'on va faire. Parce qu'ils nous ont dit, du coup, sud-ouest. Hein. Donc, sud-ouest, c'est par là. Ta-da-ta-da-ta-ta-ta-ta.
on va essayer la neige quelque part. Reprenons ce message. Cherchez le chemin entre les pinces au sud-ouest où un indice se discerne à celui qui lève sa lanterne. Ah, ils font des rimes et tout, c'est trop bien. Alors, je lève ma lanterne, peut-être qu'il va y avoir un indice. Oh, un boulet de canon spécial. Et là, des boulets normaux. Ben voilà. Ben non, je vais le prendre, tiens. J'ai toujours pas compris comment on rechargeait cette arme en fait. C'est laquelle que tu veux. Ah bah tiens, un pote. Ah non, j'ai loupé. On a des fruits hein, je crois. Ça va nous épuiser. Un petit fruit, ah dommage. Enfin, moi j'ai le premier pirate qui est frugivore quoi. Et là il y a des pinces. Ça peut être ça. Parce que le sud-est ça serait ici normalement. Mais ils ont dit le chemin. Ah il y a un truc là aussi. Il y a une entrée là. Peut-être que c'est là. Il y a des trucs là-dedans. On peut prendre une banane, ouais, parfait. Ah, encore des boulets de canon. Ah ouais, on a des stocks de boulets de canon. Cool. C'est bien sympa tout ça, hein, mais j'ai toujours pas trouvé par contre la quête. Hein. Ça me manque la musique. Il devrait nous en mettre des fois. En mode playlist détente. C'est peut-être ça le chemin. Mais pourquoi il tire lui? En train de faire la quête, si tu la trouves, viens. Viens plutôt. Ah là, il y a un truc. Ah là. Non. En mode le feu de la victoire. Oula. Encore un serpent. Ok, non. Petit chemin. Ah là il y a une pince. Ah mais il y a des pinces partout dans cette île, je veux dire. Ah bah c'est ça. Ouais. Je sais pas ce qu'on a trouvé. Mais ça fait un bon bonus. Au crabe duelliste de la plage sud-ouest, vous y êtes presque, à 6 pas vers le sud-est, creusé d'une main preste. Au crabe duelliste de la plage sud-ouest. Alors, on revient là-dessus. Le sud-ouest, c'est là. La plage, c'est là. Et ben voilà les crabes duellistes. Oups. Et ils m'ont dit quoi pour la suite? Ils m'ont dit... à 6 pas vers le sud-est. Sud-est. Je serai là. On va dire à peu près là. Merde. Ben voilà, il est trouvé ce coffre. C'est pas beau ça. Ouah. Et un calice en or. Moi aussi juste pour un calice en or. Je le prends, hein. Pas besoin de prendre le coffre. Ça sera plus transportable. Et ça c'est quoi?
Ah, et c'est quoi ça? Attends. Une caisse de fruits? Ah merde, calice en or ou caisse de... Ah merde, j'ai mis le... Ok, génial. Viens mon gars. Prends ça. Moi j'ai dit prends ça. J'avoue que le langage, débarrassez-moi de ça, ça fait un peu vas-y, laquais. Mais bon, j'y peux rien, j'ai le choix entre quelques phrases. Oula, j'ai vu un serpent. Il faut des fruits. J'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Mais ça avait l'air important pour lui. On va lui laisser ses fruits. Mais n'empêche, le bateau était trop bien mis. Enfin, je deviens un capitaine de fruits. On va le poser là. Voilà. Ça, ça fait genre, c'est pour manger. Ah, il y en a un là. Qui ressemble un peu à un poulet. Non, ou à une quille à l'envers. C'est quoi? J'espère juste qu'il sait naviguer mon comparse en haut. Et sinon. Je cherche une île qui ressemble à un poulet. Ah, c'est là. C'est là. Tu vois où on doit aller, Coco? Direction sud-ouest. Oula, ouais, non, mais attends, Coco. Quoique... Ouais, si on a le temps de tourner, je pense à un chat. J'espère. Alors, voilà, très bien. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que tu veux faire? Pam pam pam.
qu'est-ce qu'il fait? Mon fils veut redresser à l'air basse. Qu'est-ce qu'il fait? On voit bien un paradise, hein, d'accord. Ouais. Donc là, on va juste faire, on enlève ça. Et du coup. Regardez ça, comme on est bien garé, on va bien se garer. Hein. Limite, c'est un créneau et tout. Allez, hop. Ben voilà. Alors, qui fait nous dire notre carte là? J'entends des petits cochons. Kiki cochon. Alors voilà, c'est déjà un peu. Même pas efficace hein, c'est le temps. On a ramassé des larves, ouais, c'est plutôt encourageant. Ça c'est quoi? Alors. Il y en a un petit peu plus par là, apparemment. Là. Allez, on va continuer à le déterrer, le petit. Ah, j'avais pas vu que la meeting était passée sur le chat. Et bim bam boum, ouais, c'est ça. Bim bam boum. Bon, ça fait déjà deux coffres. Alors, la suite. Il en reste trois sur l'île. Purée, elle est ouf, cette île, quand même. Apparemment il n'y en a rien, je dirais par là. Bon parfois si tu veux faire celui-là, hop, moi je vais vers le suivant. Le suivant il est près de l'eau à droite. Près de l'eau à droite. Hein? Voilà, yeah, un petit crâne, c'est beau ça. On va le mettre sur la plage avec le reste. Tam, 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 tada, 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 tada. On va voir le coffre là aussi, qu'on n'en l'oublie pas. Moi je veille à ce qu'on n'oublie pas de coffre. Hein. Ah mais il l'a même pas fini, il est sérieux? Eh oh. Ouais, non, mais bon, je peux pas non plus tout faire à ta place, hein, mon gars. Alors, ils sont où? Il reste lequel? Il reste celui à droite de l'eau. Oh, bon, on va le trouver, il est juste là, logiquement, non?
Allez, on va manger une banane. Il y a un petit fruit, on dirait une grenade, en fait. Et ben voilà. Allez, un de plus. On est parti. Bah du coup, il n'y a plus qu'à amener tout ça dans le bateau. Hein. Ça va être long quand même. Hein. J'aime pas faire les allers-retours. Ça serait tellement bien si on avait un truc qui pouvait directement tout téléporter dans le bateau. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens qui chuent à chaque fois veulent pas faire la sale besogne, quoi. Ils trouvent les coffres, mais veulent pas les ramener dans le bateau, quoi. Donc je sais, c'est chiant. Non. Si on les ramène pas, on risque pas de gagner de l'argent. Hein. Mais on aura de trouver les coffres. C'est bien. Ou alors, c'est un mec comme moi qui, globalement, à chaque fois, se fait casser son bateau. Et donc, il se dit, tant qu'à faire, pas besoin de ramener les coffres. Ils auront qu'à aller les chercher. Peu longtemps, c'est peut-être ça. Et par contre, le dernier coffre, là, il est gentil, il l'a trouvé. Moi, je l'ai pas trouvé. Mais il l'a sorti de terre ou pas? Je n'ai pas du tout l'impression. Bon. Ah si, en fait, il était en train de faire ça aussi, c'est parfait. Je vais bien lui ramener l'autre, j'espère. Et ben voilà. Allez, on remonte. Parfait. D'accord avec lui, on va aller à l'avant-poste. On va vendre tout ça. Allez, hop. Donc l'avant-poste, il est ouest-sud-ouest en gros. On va juste baisser ça. Et ben voilà, on est parti. Ouais, c'est ça, je pense, l'avant-poste. Et ben on est parti, allez go! On a le vent derrière, donc logique. Oula! Ah non, je voulais pas du tout faire ça en fait. Je croyais que je l'avais quitté, en fait moi j'avais toujours la barre à la main. Voilà. Et ben on est en mode marche rapide. Allez! J'aime pas cette musique. Elle me fait me dire qu'on va pas réussir.
Après, des petites idées quand même pour me faciliter la vision, il faut me marcher dessus. Hein. Oh oh. Ça a râpé. Mais ça va, ça va. Ouais, on va avoir un peu de décor. Ça va, ça a râpé un petit peu, mais au final on est tout près du marchand. Ah mais il va où? Qu'est-ce qu'il fait? C'était vachement mieux où j'avais mis photo. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, moi je continue, hein. Je vais vendre des trucs. Hop. Ah mais il y a une voie d'eau, qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà, il n'y a plus de voie d'eau, c'est mieux. Bon, les petits coffres sont vraiment pas ouf, mais bon. Ça fait toujours 300 pièces, hein. Enfin, 200 quelque chose. Allez, on est reparti. Oh, ouais, le... Effectivement, le crâne était vraiment pas mal, 1200. Moi j'ai vendu un petit coffre. Allez, on a vendu des petits coffres. On a 41 fruits. Est-ce qu'on peut la remplir complètement? Et je mets encore. Ah, c'est quoi l'autre en fait? Du serpent, peut-être que. Je sais pas, du serpent c'est peut-être plus rare. Mais c'est pas un fruit, remarque. Ouais. Ouais, c'est pas un fruit. Ouais. Et peut-être qu'on peut aller la vendre, cette petite caissette là. C'était, je crois, sur le ponton là où il y a les bateaux et l'embarcadère.
Par contre, c'est où sur cette île-là? Ça doit être le marchand, en fait. Ouais, par là où je pense. C'est elle, hein? Ouais, c'est ça. Il nous a rapporté quelque chose, cette petite pièce de fruit? Il me dit rien, lui. Il dit que dalle. À se faire comprendre quand même. Montrer. Sur la table, mais tu vois pas? Là, regarde, là. Yes. J'ai réussi à lui faire comprendre. Ah, mais ah non, en fait, c'est pour le baisser, mais je vais pas le baisser, moi. Je suis pas sûr que c'est ce que je voulais faire en fait. J'ai pas compris que ça faisait ça. Valentin ne voyage pas. On va retourner du coup là-haut. Ce serait cool qu'ils viennent par contre. Je sais pas par contre si je fais sonner la cloche par exemple, est-ce qu'il l'entend? C'est beau. Et ça c'est quoi du coup? Il y a déjà un voyage sur la table en fait. Mais il fallait qu'on aille à Schersteg. Honnêtement, imprononçable ce nom. C'est où Schrettlenplag là? On l'avait tout à l'heure. Avant-poste, machin. Sharkbelkov, non, c'est pas ça? Non, c'est Shipvrik. B. Shipvrik B. Shipvrik B. Ah, c'est là. J'ai pas oublié par ça. Ok, donc on doit aller au nord. Comment je peux lui dire de revenir Oh oh, on tourne. Non, on tourne pas. Il est où? Ça me ferait rire qu'il soit sur le bateau. Ça. Il apparaît derrière. Mais non, je crois qu'il est pas. Hein. Il est encore avec nous? Je sais plus comment on voit s'il est avec nous ou pas. Ça, mon équipage. Afficher la carte du joueur, c'est quoi ça? Ah, carrément, ça affiche un profil, ok.
Bah écoute, si tu viens pas, poteau, moi je vais partir. Hein. Allez, dernier appel. On va lui dire, suivez-moi ici. Il est où? Il est où? Ouais, il est AFK en fait. Bon, allez, on y va. Hop. TFK, je me casse. J'ai pas besoin de lui en plus pour valider le voyage, donc on est bon. Allez. C'est parti. Parti, parti, en avant. Elle revient plus, hein. Bon, allez. On baisse les voiles. On go. Au revoir. Bon, on va où alors? C'est assez loin, je crois. Hein. Vraiment. Nord-nord-est, quoi. Et ben on est parti tout tout tout. Allez, on va refaire un peu de musique. Vu qu'on est tout seul, donc on s'occupe, hein. Tout 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 tout. On affronte quand même une sacrée tempête. Honnêtement, j'aimerais pas être sur le bateau à ce moment. C'est si. Allez, on est parti. Ah, c'est sûr qu'il quitte les frais, on va faire les F4 pour 5 minutes. La 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 Le fort des damnés, c'est par là? Ah oui! On passe pas très loin des cailloux, mais ça passe. On va redresser un petit peu la barre vers le nord. Voilà.
On était vraiment super loin en fait. Mais ça y est, là on arrive, l'île est juste devant. Ouais, c'était cette île là. Je sais plus c'est laquelle des deux en fait. C'est celle avec tous les petits trucs au toit ou c'est celle d'à côté. Ouais, ouais. Je dirais ça avec les petits copains. On veut toujours aller dans des endroits pas plus. On est vraiment pas loin là, hein. Faut qu'on redresse un peu. Allez. Fini de rigoler. On redresse là-bas. Voilà. Droit devant. On va peut-être commencer à ralentir un peu quand même. Non parce que c'est sympa d'aller vite, mais bon. Prendre des rochers, après faut utiliser des palettes, tout ça. Sacré bordel. Ça doit être le truc à gauche principal. Ouais, c'est ça que j'aime pas, elle est toute rouge cette île. Pourquoi elle est rouge? C'est une île de méchants pirates. Donc là, comparativement à tout à l'heure, on s'est pas tiré dessus. Donc je me dis qu'on a bien fait de ne pas y aller direct. Par là je pense, ça devrait être pas trop mal. Au cas où on peut comme ça partir droit devant. On va tourner un tout petit peu. Ça me paraît pas mal, allez. Je te lance. Wow! C'est bon, on est à l'arrêt. Bon. Alors, au débiri du grand mât machin se trouve ma dot, à 6 pas sud-sud-est, déterrez ce qui est votre. Au débris du grand mât, ce serait là, non? Ça c'est un grand mât, c'est bizarre, il est sur l'avant du bateau leur mât. C'est plus ça moi je dirais le mât. Hein. Et donc 6 pas sud-sud-est. Boussole. Sud-sud-est pour moi c'est ça et donc belle voilà, voilà. Trouvé. Oh oh, j'entends des squelettes là. Tant qu'il n'y en a pas avec un baril de poudre, c'est moi. Voilà. Une petite cruche. Excusez-moi. Une cruche.
Oh, un petit cochon encore. Il n'a qu'une tête, lui. Ah, c'est encore un cochon dalmatien. Bon. Petit cochon dalmatien. Ah, il y a peut-être un truc dans la cale, d'ailleurs. Hein. Ah, bah non, en fait, elle est morte, la cale. Alors, dans le tonneau. Ah, ouais, des fruits. On avait donné plein, mais on n'en a plus beaucoup. Et une planche. Reviens, petit cruchon. Marrant, une petite cruche s'appelle un petit cruchon. Allez, on a pris notre petit cruchon. Ok. Mince, j'ai mis où le bateau? Là. C'est sympa avec la voile en noir quand même. C'est parti. On va la mettre avec la clé dedans. Hein. Comment je te mets toi? Voilà, placé. Fermé. Ah, on a encore une carte du coup qui est apparue. Oh là là, c'est quoi cette île? À quoi je pourrais la faire ressembler? On dirait un N. Dans mon imaginaire en tout cas. Ça ressemble à un N. Ou un Z de côté. On va retrouver ça là-dessus. C'est pas ça. Non, mon imaginaire, là, je voyais un Z, mais c'était pas un bon Z. Ça non plus. Où est-ce qu'on voit un Z? Enfin, un N ou un Z ou un S? Elle a l'air grosse, mais à chaque fois elle a l'air grosse sur, sur leur carte. Alors qu'à chaque fois on va sur des îles ridicules. Ah, et ça? Non. Non, et puis il y a une petite île sur la gauche. Ça, ça pourrait nous aider à savoir si on est sur la bonne ou pas. Bah mince alors. Il y a ça, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, il n'y a pas la petite île dans tous les cas, et ça? Non, pas du tout. C'est ça. C'est clair que c'est ça. On est à l'opposé quoi. Bon, il faut aller plein sud en gros. Simple, efficace. Plein sud. On est vers où là? Vers le nord. Ok. On va faire le tour de l'île, c'est pas grave, hein, j'ai pas le choix. Allez, on fait le tour de l'île et on repart vers le sud. Allez, ça tourne. Voilà, c'est parti. Allez, plein sud. Et là, on en a pour un sacré voyage. Ah, par contre, là, on a un rocher plein sud, alors on va le contourner. Hop, hop, hop. Allez, plein sud, on est reparti.
On va voir l'orientation des voiles si on peut pas maximiser pour le vent. Non, ça veut dire ça. Voilà. Voilà. Voilà, on gonfle les voiles. Là, je connais pas un accès rapide au bon jeu. Allez, là, c'est ça. Tout. Et voilà. Tout. Ah, attendez. J'ai vu un truc dans l'eau là. Tout à l'heure on l'a fait, on n'est pas mort, donc je suppose qu'on meurt pas quand on saute dans l'océan. Est-ce que je suppose bien? Rien de moins sûr. Yes. Alors c'est quoi qui brille? Oh, une bouteille, sérieux? Je crois une bouteille de vin, sérieux? Attends, elle est où cette bouteille? Elle est là. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. C'est un peu galère. Ça. Là. Je te veux. Tu vas la prendre, oui. Voilà. Une quête obtenue, voilà. Et ça, c'est quoi? Caisse de bois. Ouais, il y a rien dedans. Et là, il y a quoi? Ok. Ouais. Il n'y a vraiment rien d'intéressant à ce point, hein, c'est fou. Bon bah écoute, on va ramener ça. Hein. On va pas rentrer bredouille. J'aime bien le bateau, c'est qui est ancré au milieu de l'océan. D'ailleurs, on voit l'ancre ou pas? J'ai pas l'impression. Oula. Ah d'accord, il y a un requin. Bon, on est sur le bateau, on va être protégé du requin. Hein. On nous a enlevé la moitié de notre vie. Bon, ça après, nous. On va manger une petite banane, c'est un mieux. Ah quand même, il faut manger deux bananes et une noix de coco pour compenser le requin. Bon, on est reparti cap plein sud. Allez, c'est parti. Ah ouais, on a pu une promotion. Voilà, c'est pas beau ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... On a une promotion. C'est quoi ça? Sur Rubyfall, gisent des merveilles dont le désir, les doux rêveurs éveillent. Et c'est quoi cette île là? Rubyfall. Okay. Bon, on avance dans tous les cas. On va reprendre notre petit bonjo. C'est quoi exactement? C'est une vieille roue de marin.
cette période de confinement. C'est quand même du bien de voir le grand-père. On va passer juste à côté par contre de l'île parce que là on est en train d'aller droit sur elle en fait. En mode on s'échoue sur l'île. Oh c'est pas passé loin quand même. Hein. Allez on retourne de l'autre côté. Pourquoi ça tourne tout seul? Ah c'est parce qu'il y a une tempête. Ah oui d'ailleurs la boussole elle part complètement en cacahuète. Ah comment dire? Tout seul dans une tempête. C'est chaud quand même. Comment je fais moi? Bon ben, je vais pouvoir, hein. On aura peut-être une récompense en mode vous avez résisté à la tempête. J'espère juste que le bateau il prend pas l'eau. C'est cool. Non, parce que je peux pas piloter, enfin naviguer, plus enlever l'eau, plus. Ouais, le pilote dans la bonne direction. Enfin, on l'est pas vite. Ah oui, la dernière fois, c'est vrai qu'il y avait eu ça et je me suis pris la foudre. Ouais, ça va, il y en a un qui nous rejoint juste dans, dans la galère là. C'est quoi ça, à gauche? C'est un rocher, oh là là. Aïe 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 aïe. Ah bah oui, mais on l'a pas vu le rocher de moi. Ah non, il y a une voie d'eau. C'est une planche. Et voilà. Oui, oui du bateau. Elle est gentille la voile, mais moi je vois rien par contre. Ah ouais, nickel.
Parfait. Alors, on va baisser, on va relever. Ah, qu'est-ce que j'ai ? Nickel, parfait. Ah bah nickel ! Ah bah pour une fois, on tombe sur quelqu'un qui nous aide. D'habitude, ils font tout pour nous. Lui, il nous aide, c'est bien. Oui. Mais il nous a fait nous arrêter là ? On est un peu loin, poteau. Je suis loin de lui là. Ma méthode est pas mal. Après, peut-être que je vois un peu près de l'île. Disons que j'ai envie que voilà, ça soit accessible. Par contre, j'ai pas du tout regardé où est-ce qu'on est arrivé. Des bananes, ça veut toujours mettre tiré. J'en consomme quand même beaucoup dans ce jeu. Ah, mais il est gentil en fait, il attaque pas ses squelettes. Mais par contre, ouais, j'ai vu que quand il y avait ça... Hop, tout à l'heure, j'ai... Voyage terminé. Bon. À nous l'immense fortune, ouais. Je cherche maintenant. Donc on a mis ça et ça s'appelle Ruby Fall. Si on a dit que c'était bon. Ruby Fall. Ruby, 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 Ruby. Ruby Fall, Ruby Fall. Non. C'est quoi ce petit point pirate rose? Non. Mais moi je cherche Ruby Fall du coup. Je vois pas où c'est par contre. Ruby Fall. Ah attends, il y a un rond là. Ruby Fall. Ruby Fall. Là. Ah bah pose-la. Du coup on va à Ruby Fall, donc j'ai dit que c'était à Full à l'Est. Ok. On range complètement ça. On va... Parfait, et on va... Non mais il va où? Il va où? Pourquoi il va vers le sud? Alors par contre, quand tu es au sud-est, pour aller à l'est, le plus simple c'est de passer par le sud, enfin c'est d'aller direct. Qu'est-ce qu'il faut?
Ah bah il a quitté l'équipage, bon bah. Ciao hein. C'est où je voulais aller mais... C'est même un peu plus vers le nord, remarque. Mais on va passer déjà style là. Et ensuite on passera entre les deux. Oui, un crâne brillant. Parfait. Et ben voilà, un petit crâne brillant, on va le mettre dans la petite malle. Là, non? Ouais, parfait. Et bon, on est reparti. Voilà, on est reparti, allez go. Est-ce qu'il y a un moyen de orienter ce truc? Ah ouais, non, le vent est contraire à nous. Oh, oh, on tourne toujours en fait. Pas mal du tout là. Tout, 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 tout. Oh oh. Mince, je suis tombé. Je suis tombé de mon bateau. Non, petit bateau. On m'avait dit que c'est bien, il y avait des sirènes qui devaient venir me chercher. Trouver la sirène. Elle est où la sirène? Ben, je veux bien, mais je trouve pas de sirène, moi. Sirène, où es-tu? Ah, là. Il y a une fumée là. Ouais c'est ça, elle est là. Il paraît qu'il faut trouver la sirène et elle nous ramène sur le bateau. Coucou petite sirène. Et notre bateau du coup poursuit sa route là. Bah écoutez, on va essayer de voir. Hein. Ah bah oui, on est revenu dans le bateau. Oula. C'était quoi ce bruit? Oh oh! Ah bah je suis retombé à l'eau. Mais je me... par contre je me suis fait attaquer par quelqu'un. Oh, ah non, il y a un autre bateau. Oh oh. Mon pauvre bateau. Ouais mais on a pondu tout seul aussi, sur notre petit navire. Y a pas de sirène qui vient me chercher là pour retourner sur mon bateau. Hein. J'ai été éjecté de mon bateau. Ah si, il y a une sirène par là. Il y a un petit flux de... verre. Par contre, ouais, à mon avis, on n'arrivera jamais à ramener ça dans les imports.
Ah, c'est une sirène monsieur, ça par contre. Hein. Ah, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des sirènes monsieur et des sirènes madame. Hein, mais... Ok, alors attendez, voir. Boulet. Boulet, j'en ai sur moi. Nickel. Canon utilisé. Charger un boulet. Oh non, notre... Oh bah non. Ah bah non, notre bateau, il a pris l'eau. Là. Mais je peux plus le réparer? Ah merde. Ah mais il coule. Oh, bah voilà. Là, il a coulé. On a perdu tout ce qu'on avait. Tant pis. Ah bah voilà. Voilà comment se termine une histoire avec un beau bateau. Bon, bah au final, c'est peut-être là-dessus qu'on va se laisser, du coup. J'avais pas prévu ça comme ça, mais bon. Ça fait quelques heures maintenant, quand même. Ça va bien faire deux bonnes heures, au minimum. Ah, et génial, il nous fait réapparaître sur... Oh, il nous rend nos... Il rend nos coffres. Je peux prendre mon coffre? Mon coffre. C'est à moi. C'est le mien. C'est mon coffre. Ok, j'ai mon coffre. Comment je fais maintenant? Retourner sur votre navire. Ah mais je peux pas avoir mon coffre pour retourner sur mon navire, c'est ça? Alors ça c'est chelou par contre. Mon bateau se pète, du coup il me fait un chargement et il me remet finalement avec mes coffres, mais... sans bateau et avec une sirène, enfin un homme sirène encore. À moins que ce soit une femme, remarquez. Peut-être. Mais du coup, quand on n'a plus de bateau, il nous remet sur une sirène en boucle. Ah non, on est carrément revenu à la taverne de départ. Ah ouais. Ouais. Et là, il y a notre bateau. On va quand même aller vérifier qu'il n'y a rien dedans, mais à mon avis... Sinon ça serait quand même un chouille simple, hein, s'il y avait tout dedans, j'avoue. Mais bon, on sait jamais. Il ne tente rien à rien, comme dit l'expression. Par contre, on a gardé les beaux décors dans notre bateau, c'est marrant. C'est-à-dire que celui qui l'a changé pour nous. Alors, est-ce que c'est définitif? Aucune idée. Ouais, non, il n'y a plus tous les coffres qu'il y avait. Oh non... Oh non, on a perdu tous les coffres. Bon, eh bien, on va effectivement se laisser là-dessus, puisque du coup, ça va être une nouvelle aventure, en fait. Il faudra repartir avec un nouveau bateau, et puis voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi, ça m'a bien fait plaisir. Et puis à une prochaine.